Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Ça faisait quand même longtemps, non? Je sais plus. En tout cas, juste pour information, sur mes lèvres, je porte le Huda Beauty que j'ai posé à côté, mais je ne sais plus déjà où. Il était caché derrière le sac. Donc le Huda Beauty Liquid Matte, qui est la teinte Vixen, si vous voulez savoir la référence, parce que je sais que voilà. Je retente. J'ai déjà tenté plusieurs fois de le mettre et après j'avais les lèvres abîmées. Du coup, bah là je retente. Mes lèvres étaient parfaites avant. Donc on verra bien. Après mon expérience du jour, je vous mettrai la notation. Si mes lèvres étaient re-abîmées. Dans ces cas-là, je pense qu'ils ne sont pas pour moi. En revanche, si ça va mieux, c'est que peut-être la dernière fois, c'était une coïncidence. Je ne sais pas, dites-moi vous si vous avez des soucis ou pas avec les Huda Beauty ou pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse rouge à lèvres. On commence par mon haul action. Donc il y a pas mal de choses pour mes élèves, puisque c'est ma dernière semaine d'école. Vous allez d'ailleurs avoir des vlogs maîtresses, puisque je voulais profiter de ma dernière semaine d'école avant mon congé maternité, pour vous montrer un petit peu ce que je faisais encore à l'école avant de partir. Et je reviendrai après en juin, en fin juin, début juillet, dans ma classe. Mais pas beaucoup quoi. Donc mon mari après a pris du papier sulfurisé pour le four, bon bah ça pour le pizza etc. Voilà, petite parenthèse. Je ne sais pas les prix en, il y a des trucs que je saurais, je vous dirai. Les autres choses je sais plus donc. J'ai pris ce petit kit Saint-Valentin. Je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera mieux. Alors c'est pas pour fêter la Saint-Valentin avec mon mari, pas du tout parce qu'on la fête pas du tout. Mais les petits accessoires, je me suis dit que pour agrémenter des pages en scrap, ça pouvait être super sympa. Ou les petits cœurs pour décorer la table de ma fille pour son anniversaire. Et voilà, ça peut toujours servir. Donc je m'étais dit, bon, pour 1 € le petit kit, ça restait raisonnable. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses pour ma classe. Et après, il y a des choses pour moi aussi. Pour ma fille, j'ai retrouvé enfin des sacs à couches. Donc ça, je les achète là-bas. Souvent, c'est autour de 1,39 €. Et ils sont quand même pratiques. Ils sont beaucoup moins chers que dans le, enfin, beaucoup moins chers que dans le commerce. On va dire que à Carrefour ou à Auchan, vous les trouvez 1,90 €. Donc vous gagnez 50 centimes, ce qui n'est pas négligeable. J'ai quand même mon ticket pour les trucs où je me rappelle pas. Je vous mettrai la notation pour les prix, mais il y a des choses que je me rappelle. Ça, c'est souvenir d'enfant. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je crois quand j'étais petite, ça me dit quelque chose de packaging et tout, mais je crois que je kiffais ça. Ces sortes de gaufrettes au riz, etc. Ça coûtait 1,19 € chez Action. Et à chaque fois, je me dis, oh, je les prends ou pas et tout, j'ai envie de retester. Et là, bah, j'avais envie, quoi. J'avais envie de retester. D'ailleurs, je pense que je vais les garder pour goûter à la fin de la vidéo et vous en dire mon avis tout de suite. Ça fera pas de mal. Ensuite, j'ai craqué pour une petite bougie que j'avais pas dans ma petite collection de bougies. C'est la petite bougie en effet marbre comme ça, à la vanille. Cette fois-ci, on sent vraiment bien la vanille. Alors que moi, j'en ai d'autres, je sais plus quelle odeur, mais on sent pas spécialement la vanille. Donc là, je l'ai prise à la vanille. Je la trouvais très jolie. Après, il paraît qu'elles embaument pas. Des masses, mais bon, pourquoi pas, c'est pas grave, c'est plus pour le packaging. Elle coûtait 1 €. Toujours dans les gourmandises, j'ai pris ça aussi, ça me faisait envie, je sais pas. Faut pas faire les magasins Action quand on a faim. C'est des petits feuilletés fourrés à l'abricot, et ça coûtait quoi, 89 centimes, je crois, ou 1 €. C'était pas très cher, et je me suis dit pourquoi pas goûter. Alors, le packaging me donne pas envie, mais je sais pas. Sur le coup, ça m'a donné envie un petit peu quand même. Comme d'hab, j'achète toujours un petit truc comme ça en rab à 69 centimes. Vous savez, c'est du liquide vaisselle au citron. J'achète toujours ça parce que c'est le liquide vaisselle de dépannage dans ma maison au cas où j'ai pas le temps d'aller en acheter. C'est toujours pratique. Ensuite, j'ai pris les petits patchs comme ça. Donc le grand, il était à 1 €, je crois 99 centimes, et le plus petit à 79 centimes. C'est des patchs pour le dos. Alors mon mari des fois il a mal au dos, donc voilà, ça lui avait bien rendu service la fois où il avait mal au dos. Et je me suis dit que j'allais en reprendre. Il m'a dit mais pourquoi faire? Je lui ai dit mais au cas où, quand t'as mal au dos comme ça, on en a en stock. Donc ça c'est des plus petits de 7 sur 10 cm, et ceux-là c'est des plus grands, 18 sur 12 cm. Donc voilà, ça va être c'est en cas de problème. J'ai craqué, il y avait pas mal de trucs gold. D'ailleurs il y avait la... Ah mince, j'ai laissé là-bas. Vous savez, la poubelle gold, en effet comme ça, de cette ma... enfin, matière un peu comme ça, de cette couleur-là, gold, rose gold, une sorte de poubelle. Je vous la montrerai après, sinon c'est pas grave. Mais du coup, il y a pas mal de trucs gold. Moi, je voulais les petits pots à crayon gold, mais ils n'y étaient pas.
J'ai trouvé cette petite trousse. Alors, elle rend super bien en caméra parce que je l'ai vue dans plein de haul action. Mais en vrai, on va dire qu'elle est moins bien. Il y avait en version orange et en version bleue. Mais l'écriture, enfin l'effet gold n'était pas exceptionnel. Et puis la fermeture, elle est pas ouf non plus. Hein. Elle est couleur rose gold, mais on galère un peu à la fermer. Donc j'en ai pris qu'une. Elle était quand même à 1,20€. Donc je me suis dit, j'en prends une pour mes stickers de planeur, etc. Mais ça suffira bien. Ah, m'arracher les cheveux. Pour mon planeur ou pour autre chose, j'ai pris la petite boîte. D'ailleurs, c'est marrant, ça s'accroche comme ça. La petite boîte comme ça de mini crayons. Elle n'était pas donnée quand même. Elle était à 2,69€. Des stylos en gel avec l'étui, avec toutes les couleurs. Ah. Il y en avait plein qui étaient ouverts d'ailleurs là-bas. Celle-ci, c'était bien une des seules qui n'était pas ouverte. Voilà, donc vous avez vraiment rose, jaune, je crois que vous avez gris, bleu, enfin voilà. De quoi faire pour m'amuser sur mes planeurs. Donc, parfait. Pour ranger mes stickers aussi, j'aime beaucoup. J'en avais déjà trouvé une pochette comme ça il y a longtemps chez Action. Il y a au moins... j'avais trouvé ça chez Action, il y a, je sais pas, au début d'Action. Et je n'en ai pas retrouvé depuis. Et vous savez, là j'en ai retrouvé, j'ai dit, ah, il faut trop que j'apprenne. Ça doit être moins d'un euro, je ne sais plus exactement le prix. C'est des petites pochettes comme ça, un peu comme celles qu'on range nos papiers. Sauf que là, elles sont au plus petit format. Et pour les stickers, c'est les choses qui traînent un petit peu partout. C'est super pratique parce que du coup, moi je l'ouvre, je choisis directement et j'ai mes stickers à disposition. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y en avait d'autres, mais j'en ai pris qu'une. Je me suis dit, je verrai bien si j'en ai besoin d'autres. Pour ma fille, j'ai repris des petits crayons de couleur comme ça, version mini, en fait, qui ont, comment dire, un peu biseautés autour du crayon et qui sont larges pour une prise en main plus facile et qui sont petits et du coup, ça l'oblige à tenir près de la pointe alors qu'elle a tendance à prendre au bout du crayon. Donc c'est un apprentissage, hein, tenir bien son crayon dès 2 ans, c'est important. Donc du coup, je commence déjà à lui mettre un peu dans les mains. Ça devait coûter 80 centimes, c'était pas très cher. Toujours pour ma fille, je lui ai acheté une petite guirlande comme ça à 1€ je crois. 1€, 1,20€, une guirlande pour faire, voilà, vous voyez ici, faire des petits pompons comme ça à accrocher pour son anniversaire. Donc je commence à acheter quelques petites choses pour son anniversaire parce que bah ça arrive bientôt, même si c'est né qu'en avril. Mais bon, je commence à acheter 2-3 petites choses par-ci par-là quand ça m'intéresse. Et pour finir pour moi, après le reste ce sera pour ma classe, pour moi je me suis acheté des pâtes. Vous savez, chinoise comme ça à 29 centimes. Voilà, ça dépanne toujours quand on a la flemme de cuisiner, de faire quelque chose. C'est toujours utile. Je vais enlever les autres petites choses qui ne sont pas pour moi. Et pour ma classe. Maintenant, pour ma classe, j'ai acheté un petit peu des affaires de scolaire parce que bah, j'avais envie de remettre un petit peu à jour ma classe avant de partir, remettre un petit peu de crayon de couleur, des feutres, parce que bah, ça part vite avec les élèves, ils les usent très très vite, ils les abîment très très vite aussi. J'ai racheté de la pâte à fixe avec la coopérative de ma classe, donc voilà, ça devait pas coûter très très cher. J'ai acheté des colles, des gros tubes de colle qui sont de plutôt bonne qualité d'ailleurs, hein, et qui coûtent 69 centimes les deux. Et c'est de la colle qui est plutôt pas trop mal parce que bah, mes élèves des fois ils ramènent de la colle de très mauvaise qualité et c'est juste casse-pied. Et du coup pour mes élèves je vais leur faire réaliser pour cette dernière semaine des tasses personnalisées et à l'intérieur j'aimerais bien leur glisser une petite toupie. Donc j'ai acheté 6 lots de toupies comme ça parce que la dernière fois j'en ai acheté, ils se sont battus pour les avoir, donc là ils auront chacun la leur. Et je leur mettrai dans leur petite tasse et avec ceci ils auront un petit... une petite boîte de stickers comme ça, il y a 20 stickers, 24 stickers dans chaque boîte. Donc là c'est le thème un peu Mickey, là c'est le thème les princesses de Disney. Il y a le thème voiture Cars, alors il n'y a pas des thèmes de ouf, hein, de fou, mais bon, je pense que ça leur plaira. Et le thème de Elsa. Et pour finir j'ai acheté des bonbons pour eux, donc 2 boîtes comme ça de bonbons enfilé, là il paraît qu'ils sont super bons, donc voilà, je me rappelle pas que ça m'ait marqué que c'était bon, mais mes élèves, c'est vrai que l'année dernière j'en avais acheté, ils avaient adoré, donc là j'en ai racheté, voilà, pour 2 boîtes, et 2 boîtes de ça aussi pour mes élèves. Moi j'avais pas spécialement adoré ces trucs là, mais je suis sûre que mes élèves ils vont adorer. C'est une sorte de guimauve avec du chocolat, du coup c'est très bien, et en plus c'est à base d'agar agar. Tous les souvent les produits chez Action sont halal, faut avoir les bonbons chez Action sont souvent halal, c'est écrit, il n'y a pas de gélatine de porc, donc c'est ce qui est pas mal. Vous allez vous dire mais pourquoi elle dit ça à la fille, mais parce qu'en fait
Moi j'avoue que je fais attention sans faire attention vraiment. S'il y a écrit gélatine, je me dis bon. Mais mes élèves sont issus beaucoup de parents musulmans et du coup font très attention à ça, donc j'essaye de faire attention pour eux. Donc voilà, j'essaye de faire attention en leur achetant des trucs. Voilà pour mes élèves. Ah si, j'oubliais, et j'ai racheté aussi pour eux, pour, je vous disais, pour ma classe, des crayons de couleur et des feutres pour remettre un peu à jour mes stocks et refaire une classe propre pour ma remplaçante. Voilà, je vous invite à aller voir tous mes vlogs maîtresses si vous ne les avez pas vus. Pour celles qui se posent la question, je suis en CP parce que c'est une question qui revient tout le temps. Cette année, je suis en CP. L'année dernière, dans mes autres vidéos d'avant, j'étais en CM, hein, donc j'achetais pas les mêmes choses. Donc voilà pour mes achats, actions, n'hésitez pas à me dire vos trouvailles à vous de votre côté. D'ailleurs, en passant sur certaines vidéos actions, il y en a qui ont trouvé plein de choses en marbre et ça m'énerve parce que moi je les trouve pas, les choses en effet marbre. Et ça me saoule. Je reviens tout de suite pour vous montrer la fameuse poubelle en rose gold que vous avez sûrement vu dans 10 milliards de actions. Me revoilà avec ma fameuse poubelle. Enfin, poubelle ou... En même temps, c'est une poubelle où il y a tout qui passera à travers, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous mettez vos papiers là-dedans, donc je sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser. J'ai une petite idée, mais je sais pas trop. Et alors, si les filles, mes copinotes qui passent par ici, style Mélanie, si tu trouves dans ton action les petits pots à crayons de cette couleur-là, pense à moi. Parce qu'il y avait les pots à crayons de la couleur pêche et de la couleur vermante. Mais il n'y avait pas les petits pots à crayons rose gold. Et j'avoue que les petits pots à crayons, ils me plaisaient bien. Donc voilà, elle était à 2,69 cette poubelle. Et pour mes élèves, j'ai acheté deux ballons à 99 centimes. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, comme toujours, si ces hauls actions vous plaisent. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé, vous, dans votre action. Salut, salut! Pas mauvais. Il y a ma crapouille qui est à côté de moi. Et il y a le soleil qui a décidé de sortir. Tu veux toi aussi? Croque. C'est pas mauvais finalement ce truc là. Hein, dans la boîte. Un peu. Un peu. On va goûter ça. Cracotte comme ça. Comme dans mon enfance. Ouais, c'est vraiment comme quand j'étais petite. Tu veux goûter? Elle a le sourire à côté, elle fait moi aussi je veux goûter. Goûter. On goûte ça? Soyons fous. Un petit feuilleté abricot. Attends, elle est avec moi. Oui. Oui, elle est avec moi. Tu veux goûter ça aussi? Finis ce que tu as dans la bouche. C'est très sucré. On sent pas trop l'abricot. C'est moyen. Elle vaut là. C'est moyen ça. C'est moyen. C'est plus du sucre qu'autre chose encore. Croque. Heureusement, c'est l'heure du goûter. Hein. Voilà pour la petite dégustation bonus.